Au cours de cette session, nous examinerons la façon dont les pays peuvent envisager la composition de leur délégation nationale participant aux travaux du Codex Alimentarius. Il est toujours difficile de déterminer qui devrait faire partie d'une délégation nationale, car un certain nombre de facteurs peuvent influer sur le processus de sélection. Souvent, la délégation d'un pays se compose d'une seule personne faute de ressources. Avec une seule personne sur la délégation, cela rend le processus de sélection encore plus critique. Peu importe le processus utilisé pour former la délégation, il y a certains éléments communs. Le point de contact du Codex sollicite les candidatures des cadres supérieurs, des ministères ou des organismes participant au programme national du Codex. Comme la Commission du Codex Alimentarius est une organisation intergouvernementale, en règle générale, le représentant officiel aux sessions de la Commission ou des organes subsidiaires devrait être un fonctionnaire du gouvernement ou un représentant gouvernemental. Toutefois, il peut arriver qu'une personne qui n'est pas du gouvernement soit le représentant officiel. Par exemple, si l'expertise requise n'est pas disponible au sein du gouvernement ou un représentant du gouvernement n'est pas disponible au moment voulu. Dans de telles circonstances, il doit être clairement compris que la personne représente le gouvernement et qu'elle est censée promouvoir le point de vue officiel du gouvernement sur les questions à l'étude et non la position de l'organisation de la personne ou de la personne elle-même. L'instance gouvernementale doit appuyer la candidature présentée. Le mode d'approbation officielle varie naturellement d'un pays à l'autre. Le point de contact Codex doit participer au processus de sélection, tout comme le Comité national du Codex, le cas échéant. Comme là où les personnes choisies représentent le pays, il devrait y avoir une certaine forme d'appui du gouvernement à la composition de la délégation. La composition de la délégation nationale, c'est-à-dire le représentant ou chef de délégation, les suppléants et les conseillers, doit être communiqué au secrétariat des réunions par l'intermédiaire du point de contact Codex. La nomination du candidat ainsi que les obligations et les modalités du financement du délégué peuvent être aussi confirmées par écrit si nécessaire. Transmettre l'information nécessaire au délégué est toujours important et revêt une importance accrue lorsqu'il y a un nouveau représentant aux réunions du Codex. Quel que soit le degré de formalité requis pour se conformer aux procédures nationales, il est très important que les personnes sélectionnées soient pleinement informées de leurs responsabilités lorsqu'elles sont désignées comme personnes représentant leur pays. On doit également les informer des questions d'importance qui font l'objet de discussions à la réunion du Codex à laquelle ils sont censés participer. Alors discutons des critères à appliquer lors du processus de sélection des délégués nationaux. Plusieurs critères sont à considérer, notamment le mandat de la réunion du Codex pour laquelle la personne est sélectionnée, le poste occupé au sein d'un ministère, notamment du ministère ayant la responsabilité principale de la réunion spécifique du Codex, l'expertise technique de la personne par rapport à l'objet de la réunion pertinente du Codex, le degré d'expérience ou de participation aux activités antérieures du Codex, d'autres facteurs comme des recommandations qui peuvent provenir du Comité national du Codex. Les membres d'une délégation nationale incluent le chef de délégation, généralement un membre du gouvernement, les autres délégués ou conseillers qui peuvent être des représentants d'instances gouvernementales ou des membres d'instances non gouvernementales.
Naturellement, si la délégation d'un pays se compose d'une personne, cette personne sera le délégué principal ou le chef de délégation par défaut. En général, les pays n'ont qu'un seul délégué qui assiste à une session du Codex en raison des limites des ressources financières. Le coût du voyage, même pour les pays développés, devient de plus en plus prohibitif. Néanmoins, il faut se rendre compte qu'en raison des programmes de travail lourds et à l'occasion de la formation de petits groupes de travail nécessaires pendant les différentes sessions du Codex, il peut être très utile et dans l'intérêt supérieur d'un pays d'avoir plus d'un délégué, donc plus d'un représentant, même si cela signifie engager des ressources supplémentaires. Un deuxième membre d'une délégation peut aider en effet le chef de délégation à préparer ou réviser son intervention orale, peut prendre des notes de discussion, peut organiser les documents de travail ou les documents de discussion. Il peut même engager des discussions avec les représentants du pays d'origine en cas de consultation nécessaire, mais aussi assister à d'autres réunions simultanées organisées en marge de la réunion du comité ou de la commission. Alors discutons maintenant de la participation des conseillers non gouvernementaux. Il n'est pas inhabituel qu'un pays ait des représentants non gouvernementaux dans sa délégation. Ces personnes sont sélectionnées pour faire partie d'une délégation en raison de l'expertise technique au sein de l'industrie ou du milieu universitaire. Comme c'est le cas pour les représentants d'instances gouvernementales, les représentants choisis pour faire partie des délégations nationales doivent également être officiellement approuvés. Lors de la sélection de ces représentants, il convient d'appliquer les mêmes critères que nous avions discutés précédemment, et ces critères incluent le mandat de la réunion du Codex pour laquelle la personne est sélectionnée, l'expertise technique de la personne par rapport à l'objet de la réunion pertinente du Codex, le degré d'expérience ou de participation aux activités antérieures du Codex, par exemple la contribution antérieure à l'élaboration de positions nationales, et d'autres facteurs, par exemple les bonnes compétences de communication. Alors voici une pratique qui peut être appliquée par certains pays. Dans certains pays, un fonds national du Codex est créé pour être utilisé par les organismes gouvernementaux pour assister aux réunions du Codex gérées par le Comité national du Codex. Ce comité national a pour mandat ou pour mission de déterminer les réunions du Codex auxquelles il faut assister. Le comité choisit et approuve également les délégations, y compris le délégué principal ou le chef de délégation, en consultation avec les partenaires et les parties prenantes. Le fonds sert ensuite à financer les déplacements de la délégation choisie et qui aura été approuvée par le comité. Les fonds de voyage peuvent être un paramètre à considérer lorsqu'une délégation doit être identifiée, ainsi que l'importance du comité ciblé pour le pays en question. Alors passons en revue les responsabilités et les obligations des délégations. Les membres d'une délégation nationale qui participent aux sessions du Codex ont les responsabilités et obligations suivantes. Les délégations participent aux sessions du Codex conformément au manuel de procédure du Codex, aux lignes directrices pour les comités du Codex et aux groupes de travail intergouvernementaux, y compris la conduite des réunions. Il incombe à tous les délégués de se familiariser avec le contenu de la section correspondante du manuel de procédure du Codex. Les délégués doivent assister à toutes les séances plénières et à toutes les réunions convoquées par le chef de délégation. Avec l'accord du chef de délégation, les conseillers peuvent également assister aux réunions du groupe de travail tenues pendant la session. En général, les conseillers ne doivent pas négocier au nom du gouvernement de leur pays et ne doivent le faire qu'avec la permission expresse du chef de délégation. Selon les règles de procédure du Codex, les conseillers d'une délégation d'un pays ne peuvent prendre la parole en session que lorsque le chef de délégation l'autorise et avec la permission du président du comité ou du président de la commission. Une délégation efficace doit être bien gérée et coordonnée par le chef de délégation. Toutes les décisions connexes qui peuvent influer sur l'exécution de la délégation ou son travail doivent être prises par le chef de délégation. Une règle standard qui s'applique à toutes les activités du Codex est qu'une personne est inscrite comme membre d'une délégation
et ne peut être membre que d'une seule délégation. Il ou elle ne peut pas siéger simultanément à une session du comité du Codex en tant que membre de la délégation d'un autre pays ou en tant que membre de la délégation d'une organisation ayant le statut d'observateur accrédité à la session du Codex en question. En particulier, les personnes qui représentent les organisations non gouvernementales pourraient vouloir examiner attentivement leur représentation de la manière la plus utile et la plus efficace par rapport à leur intérêt, soit en tant que membre d'une délégation de pays, ou en tant que membre d'une organisation internationale ayant le statut d'observateur au Codex et qui promeut des positions similaires à celles de leur organisation d'origine. Les membres de la délégation ne sont pas à l'abri des lois ou des règlements de leur pays ou du pays hôte en raison de leur participation à une délégation au Codex. Lorsqu'ils sont choisis comme membres de la délégation, les conseillers des organisations non gouvernementales doivent travailler en accord avec l'objectif global de la délégation. Si, au cours de discussions informelles, des conseillers non gouvernementaux expriment des points de vue qui diffèrent de la position officielle du pays, ils doivent indiquer clairement que ces points de vue sont les leurs ou ceux des organisations non gouvernementales qu'ils représentent et pas ceux du gouvernement de leur pays. Selon les règles de procédure du Codex, les conseillers d'une délégation d'un pays ne peuvent prendre la parole en session que lorsque le chef de délégation l'autorise et avec la permission du président du comité ou du président de la commission. Les délégués non gouvernementaux doivent informer le chef de délégation des préoccupations de l'organisation qu'ils représentent et faire tout en leur possible pour contribuer à l'amélioration de l'efficacité de la délégation nationale aux sessions du Codex. Les conseillers non gouvernementaux en particulier devraient exercer leur pouvoir discrétionnaire pour s'assurer que leurs activités ne nuisent pas à l'efficacité de la délégation. Un membre peut être invité à se retirer de la délégation si de telles situations se produisent. Toutes les délégations ont un chef de délégation qui a la responsabilité générale du fonctionnement de la délégation avant, pendant et après la réunion pertinente du Codex. Lorsqu'une délégation se compose d'une seule personne, par défaut, cette personne sera le chef de délégation. Et le chef de délégation est le principal orateur qui présente les points de vue et la position nationale du pays sur les questions en discussion. Alors passons en revue les responsabilités du chef de délégation. Le chef de délégation s'efforce d'assurer la formation d'une délégation de représentants gouvernementaux et non gouvernementaux ayant un intérêt et une expertise pertinents pour le mandat du comité, ainsi que pour les points à l'ordre du jour provisoire. Il ou elle devrait veiller à ce que les projets de position soient préparés pour chaque point à l'ordre du jour en consultation avec le comité national ou une structure équivalente. Il ou elle doit mener une discussion des projets de ses positions sur chaque point de l'ordre du jour avec les représentants d'autres pays qui peuvent partager des points de vue communs. Il ou elle doit présenter des projets de position pour chaque point à l'ordre du jour au comité national du Codex ou à une structure équivalente pour examen, pour modification et aussi pour approbation. Le chef de délégation doit examiner l'ordre du jour provisoire pour identifier les questions les plus pertinentes pour le pays et déterminer l'expertise qui pourrait être nécessaire pour l'élaboration d'une position. Idéalement, les personnes identifiées au cours de ce processus devraient assister à la réunion, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Il est important de comprendre que c'est l'expertise qui compte et le rapport ultérieur et non simplement une participation physique aux réunions. Comme les positions doivent être préparées avant le départ d'une délégation pour une réunion Codex, l'implication d'experts appropriés à l'avance est une des clés pour l'élaboration de positions éclairées et utiles. Cette expertise peut provenir d'autres ministères ou organismes gouvernementaux ou d'organisations non gouvernementales. Comme les positions reflètent l'opinion officielle du gouvernement national, il est important qu'elles soient approuvées par l'autorité gouvernementale compétente. Les autres responsabilités du chef de délégation comprennent
fournir des copies de la version finale des positions au point de contact Codex à chaque membre de la délégation, à toutes les organisations intéressées et à des contacts désignés dans d'autres pays selon le cas et selon le besoin. Il lui incombe également de présenter, défendre et promouvoir les positions sur chaque point de l'ordre du jour au comité Codex, en tenant compte des questions soulevées par d'autres délégations, tout en assurant la cohérence avec la politique nationale. Au retour dans le pays d'origine, il incombe au chef de délégation aussi de préparer un rapport sur les résultats de la session pour le point de contact Codex, mais également à discuter avec le comité national du Codex. Tous les membres de la délégation doivent approuver le rapport final de la délégation. Parmi les tâches du chef de délégation, c'est de continuer de coordonner la préparation des réponses aux lettres circulaires émises au nom du comité, avec consultation sur les projets d'opposition, le cas échéant. La réponse doit être soumise au secrétariat du Codex par l'intermédiaire du point de contact Codex et généralement elle doit être présentée au comité national pour information, sinon pour approbation. Considérons quelques aspects pratiques. Le premier point concerne le partage de la position du pays. Le partage des positions en rapport à une discussion au Codex, au-delà des instances gouvernementales, n'est pas chose automatique. Si le chef de délégation estime qu'il serait utile de partager les positions du pays avant la réunion, des copies sont fournies aux personnes ressources. Cela se fait normalement par l'intermédiaire du point de contact Codex. Le deuxième point correspond à la défense et à la promotion de la position du pays. Le simple fait de présenter la position du pays par écrit ou verbalement ne garantit pas que les opinions du pays seront prises en compte dans toutes les décisions du comité. Un chef de délégation, avec l'aide des autres membres de la délégation, le cas échéant, doit promouvoir et défendre la position du pays. Cela implique de communiquer avec d'autres délégations, avant et pendant la réunion, pour présenter et expliquer la position du pays et solliciter l'appui. Pour faire avancer le point de vue du pays, les délégués doivent être proactifs. Lorsqu'un point particulier de l'ordre du jour relève du mandat d'un autre ministère que celui d'où provient le chef de délégation, et qu'il y a un membre de la délégation de cet autre ministère, le chef de délégation peut envisager de demander à ce délégué de parler au nom du pays à ce sujet et par rapport à cet élément de l'ordre du jour. Troisièmement, la préparation du rapport sur les résultats de la session pour le point de contact Codex et le comité national peut être également déléguée à d'autres membres de la délégation officielle. Dans certains pays, il est pratique courante de présenter ce rapport oralement au comité national du Codex lorsqu'un tel comité existe. Il y a certaines considérations qui devraient être prises en compte par les chefs de délégation et d'autres personnes impliquées dans la préparation des positions nationales. Ces considérations concernent les activités de préparation pendant et après la session du Codex. Ces considérations ne sont pas exhaustives et tous les points ne s'appliquent pas à toutes les délégations en permanence. Cependant, il peut être utile d'établir des listes de vérification auxquelles le chef de délégation et d'autres personnes peuvent se référer pour obtenir des orientations sur les activités du Codex. Une des questions fréquemment posées par les nouveaux participants à une réunion du Codex est « Qu'est-ce que j'apporte ?» Alors au premier chef, les informations de voyage. Votre visa, les billets d'avion, l'adresse de l'hôtel, les coordonnées de l'ambassade, le nom et l'adresse de la personne de contact au point de contact Codex dans le pays hôte. De plus, et compte tenu de l'approbation préalable nécessaire au déplacement, il faut tenir compte de tous les délais pertinents pour s'assurer qu'un participant arrive à temps pour participer pleinement aux discussions du comité du Codex. Dans la planification de l'itinéraire de voyage, les délégués devraient prendre en considération la date du début et de la fin de la réunion, ainsi que d'autres réunions qui pourraient être prévues avant la réunion principale du Codex. Par exemple, la plupart des comités de coordination régionaux tiennent une séance de planification ou de coordination un jour ou deux jours avant le début de la séance plénière.
En outre, pour certaines réunions, un séminaire ou un atelier d'une journée peut être organisé pour coïncider avec la session du Codex. En ce cas, les préparatifs de voyage doivent garantir que les participants arrivent à temps pour participer à ces activités auxiliaires. Ceci est particulièrement important pour les pays qui soumettent des demandes de soutien du fonds fiduciaire du Codex. Alors à l'écran vous sont présentés les éléments qui doivent être vérifiés et dont il faut tenir compte lorsque vous prévoyez assister à une réunion du Codex. Alors résumons ce que nous avons discuté. Dans le processus utilisé par les pays pour former des délégations nationales, il y a certains éléments communs, tels que la sollicitation de candidatures auprès des cadres supérieurs, l'approbation par le gouvernement, la confirmation de la nomination du candidat, ainsi que les obligations du chef de délégation et des délégués, et les conditions du financement de la participation au comité Codex. Une délégation de pays peut être composée de plusieurs membres, tels que le chef de délégation, des conseillers, c'est-à-dire un représentant du gouvernement ou des représentants non gouvernementaux. Souvent, une délégation se composera d'une seule personne qui, par défaut, serait le chef de délégation. Les membres d'une délégation nationale ont des responsabilités et des obligations précises, telles que de se familiariser avec le manuel de procédure, d'assister à toutes les séances plénières et à toutes les réunions convoquées par le chef de délégation. Les membres ne peuvent pas siéger simultanément à une session du Codex en tant que membres de plus d'une délégation à la fois. Le chef de délégation assume la responsabilité générale du fonctionnement de la délégation avant, pendant et après la réunion du Codex. Quiconque participe à la préparation des positions nationales devrait tenir compte de certaines considérations et de conseils utiles concernant les activités en préparation, pendant et après la session du Codex.